On a toute une variété de pêche possible. Bon, là, on a la ressouse, la saune, la ressouse. Donc là, c'est une pêche au cou, c'est une pêche de cendre, de perche, de brochet, silure, ici. On fait une demi-heure de route, on arrive sur les contreforts du Rang Vermont. Donc là, on a des petites rivières à truites. Ensuite, on traverse la fameuse rivière d'Ain, où là, on a de l'ombre au commun et de la truite à foison, l'albarine. On remonte l'Anjouanien, là, on a truite, ombre et puis corégone, sur les grands lacs de barrage intérieurs donc, de la rivière d'Ain. Ensuite, on bifurque côté suisse, on retombe sur le Rhône. On passe à un beau lac intérieur sur Belay. La Valserine, la Semine, donc des rivières de montagne. Et après, on a des petites rivières qui sont typiques des torrents de montagne dans le Pays de Gex, où là, c'est typique la pêche à la truite. Ce qui est très intéressant, que tout le monde connaît, c'est vraiment le gros potentiel silure qu'on a. Donc chaque année, il se fait des silures de plus de 2 mètres, ce qui est intéressant pour tous les pêcheurs. On arrive à faire aussi de très gros cendres. Et puis ce qu'on a ici sur la Saône à Fleurville, c'est qu'au mois de novembre, il y a un concours carnassier FCPL, où là, il y a à peu près entre 40 et 50 équipages. Donc c'est essentiellement sur une pêche du cendre et de la perche. Donc pour dire que c'est un concours, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de poissons. Quelqu'un qui arrive ici, bah c'est sûr que sur le territoire où on est, camping juste à côté avec des chalets tout équipés. Donc c'est un avantage indéniable pour le pêcheur. Les accès sont assez faciles pour mettre des bateaux. Là on est juste à côté d'une mise à l'eau, donc ils sont très très simples. Vous arrivez ici, une barque, un petit éco-sondeur pour repérer les poissons et la pêche se fait assez facilement. Donc on se retrouve sur l'Albarine, une rivière du département de l'Ain et qui est située dans la partie Bugey. D'accord. Donc c'est essentiellement la truite et l'ombre commun. Donc on pêche souvent aux lordures, à la mouche et puis aussi aux appâts naturels, ce qu'on est en train de faire là maintenant aujourd'hui. Donc on va soulever quelques pierres puis on va voir si on peut trouver quelques insectes. C'est une rivière qui est vraiment connue dans toute l'Europe. Dernièrement, il y avait un pêcheur belge, champion belge à la mouche, qui était venu ici. Donc les gens viennent beaucoup s'entraîner. C'est une rivière très très poissonneuse. Les parcours no-kill ont été créés il y a une dizaine d'années sur l'Albarine pour augmenter le potentiel piscicole, pour augmenter surtout la valeur du poisson. On avait une grosse demande de la part des pêcheurs pour pêcher des poissons qui étaient de taille supérieure. Et effectivement, on s'est rendu compte que sur ces parcours no-kill-là, on avait un bénéfice aussi au niveau des géniteurs, puisque sur l'Albarine, il n'y a pas de repeuplement, c'est toute la reproduction naturelle. Et sur certains secteurs, ça permet de conserver des poissons d'une taille supérieure. Donc on a dans les parcours no-kill, la taille moyenne des poissons est d'environ 30-35 cm. On a plus gros, bien entendu, on a des poissons jusqu'à 60-65 cm, effectivement. Et donc, plutôt que de créer des réserves un petit peu partout, le parcours no-kill permet aussi de pratiquer la pêche tout en conservant le cheptel piscicole. Donc, comment ça marche en fait? Vous déplacez les zones, c'est ça en fait? Tout à fait. Donc, tous les 3-4 ans, on fait tourner ces parcours no-kill parce qu'on s'est rendu compte, par rapport aux différentes pêches électriques et nombreuses qu'on peut faire, on s'est rendu compte qu'effectivement, au bout de 3 ans, on avait une chute des populations. On avait beaucoup de gros poissons, mais on avait une chute sur l'ensemble du cheptel, c'est-à-dire qu'une diminution des petits poissons. Donc tous les 3-4 ans, on ouvre ces parcours no-kill qui font plaisir aux pêcheurs et donc qui permettent aussi de changer certains secteurs. Thank you.
1100 hectares de plans d'eau en gros, 52 plans d'eau qui vont donc de Morvel, 500 hectares. Ici, c'est un lac naturel de montagne qui appartient aux pêcheurs depuis 1949. On a du corrigan, de la carpe, du brochet, de la perche. Et après, on a donc tout ce qui est gravier, ballastière. Et la fédération dispose de 6 plans d'eau à elle, qui appartiennent aux pêcheurs. Et on loue le canal de Saint-Laurent, plus le lac de Longeville et le lac de Prie en première catégorie. On a 3 lacs classés montagne, le lac de Nantua, le lac de Silan qui lui est un domaine public, géré par Bellegarde. Et puis ensuite on a le lac de Divonne-les-Bains qui a une réglementation spécifique à la montagne.